Le moulin du Val-Dieu, c'est d'abord, ça reste évidemment la meunerie, donc qui fabrique toujours artisanalement les aliments composés destinés aux élevages. Et puis c'est le restaurant, donc dans lequel on se trouve ici, dans le vieux bâtiment, donc dans le vieux moulin. À côté de ça, donc, c'est depuis 2001 les élevages du moulin du Val-Dieu, où là, sous la marque Val-Dieu, on commercialise de la volaille de qualité différenciée, donc principalement le poulet Val-Dieu et ses dérivés, le canard gras et le lapin fermier. On a commencé l'aventure du poulet Val-Dieu en 2001, c'est suite à la demande de la firme Colruyt qui recherchait un poulet de qualité différenciée 100% belge qu'on s'est lancé dans l'aventure. Donc on a décidé de collaborer avec eux, d'établir un cahier des charges entre la firme Colruyt et le moulin et en partenariat avec la firme Upignac et également Francis et Jean-Claude Wenquin qui étaient aviculteurs et abatteurs en Ardennes. On a décidé de former un partenariat et de répondre à cette demande de Colruyt. Nous avons un cahier des charges bien spécifique qui reprend tout un certain nombre de normes, dont la souche du poulet qui est importante. Ici, c'est un poulet à croissance intermédiaire et à pâte haute. Donc, il y a des caractéristiques bien définies telles que la finesse de la fibre ou la finesse de la peau, la coloration des cuisses. On a également un nombre de jours bien spécifique, donc c'est-à-dire c'est 56 jours minimum avant la date d'abattage. L'alimentation aussi doit être 100% végétale, sans antibiotiques, sans coccidiostatiques et sans probiotiques. La particularité qu'on peut rajouter également au poulet Val-Dieu, c'est qu'il est oméga 3. Donc à partir de 35 jours d'âge, il reçoit une alimentation, donc toujours bien sûr 100% végétale, mais enrichie en oméga 3. Par l'apport de graines de lin extrudées.